je l'ai rencontrée, la femme de ma vie. Et je sais qu'elle m'aimera inconditionnellement jusqu'à la fin de mes jours. Parce que cette femme, c'est moi. Et c'est vrai, je m'aime. Je vais pas faire semblant, je suis fier même de le dire. Il y a 4 ans, j'ai fait un rêve. J'étais en train de faire l'amour avec moi-même. Et c'était mon double, si tu veux. Et au-dessus de nous, ma mère est apparue, comme ça. Elle était complètement nue. Et puis elle s'est transformée, elle s'est liquéfiée, elle est devenue de l'eau de rose. Et là, elle s'est mise à pleuvoir sur nous. Et nos corps ont totalement absorbé son énergie. Et je me suis réveillé dans une énergie, un état de béatitude, de félicité totale, quoi. Et j'ai su. J'avais une érection, mais massive, comme ça. Et ma femme, ma compagne de l'époque, qui était allongée à côté de moi, elle ouvre les yeux. Et je me souviens très bien, elle me dit bonjour, et moi à ce moment-là, dans ma tête, j'ai pensé au revoir. Et je suis allé sur le balcon, et en dessous, il y avait la piscine, et il y a ma belle-fille qui était en train de se baigner. Et ben tu vois, elle aurait pu avoir peur, enfin elle aurait pu être choquée, parce que j'étais encore à poil, et j'étais en pleine vigueur. Mais j'irradiais tellement la confiance en moi, l'amour de moi. J'étais un soleil, littéralement, hein, parce que je sentais, j'avais Manipura, tu vois, le chakra du plexus solaire, qui était en train de pulser à 10 000. Qu'au contraire, elle était totalement absorbée. Et j'ai su même, à ce moment-là, qu'elle et moi, on allait se mettre ensemble. Et alors que ma compagne, elle, qui est vraiment typiquement le genre de dépendante affective, énergivore, elle n'a pas supporté que je m'épanouisse à l'extérieur de notre couple. Et c'est à tel point, et je te jure que c'est vrai, hein, qu'elle a tenté à 2 reprises de se suicider, exprès pour me faire culpabiliser de m'être mis en couple avec sa fille. Les gens médiocres font tout pour t'empêcher, pour te ramener à leur niveau. Ça, c'est une forme de perversion. C'est une dégénérescence. Ça va à l'inverse du chemin d'énergie vitale, quoi. Alors que moi, sa fille, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas. Attends, c'est ma compagne. Je vais pas... Bien sûr que je tiens à elle. Mais je sais que l'amour part de moi. Tout part de moi. Moi, je suis à 100% hétérosexuel, mais je pourrais faire l'amour avec un homme. Parce que c'est moi qui amène, c'est moi qui fournis, ça revient. Je suis dans un cycle, je pourrais faire l'amour avec des animaux si j'avais envie aussi. J'ai pas de limite à ce niveau-là. La seule personne que je peux pas remplacer, c'est moi. C'est génial ça, cette phrase. C'est hyper beau. Tu sais, je viens de l'inventer là, à l'instant, comme ça.